je vous propose de fêter ensemble le retour de la couleur. Le thème, rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Pas un magazine ne fait l'impasse sur son grand retour. L'été sera chaud, tant dans les matières que dans les couleurs, il y en aura pour tous les goûts. Avant de vous présenter les nouveautés Bourjois, marque experte de la couleur, je vous propose de découvrir ensemble les tendances sur des planches-boards. Au cœur des tendances cet été, donc il y a le bleu, bleu céladon, bleu turquoise, bleu clin, tout un camailleux de bleu à décliner sur les ongles, en aplat sur les yeux, comme vous voulez, ça devient vraiment la couleur prédominante du maquillage. Il y a aussi les tons orangés, le corail, un orange vraiment saturé, ou alors les rouges. L'idée avec les rouges, c'est de la sortir à la mode du moment, c'est-à-dire la rayure, et je vous proposerai une French manucure rouge et blanche. Le violet aussi, toujours au cœur des tendances, en aplat sur les paupières. Cet été, à jouer en duo avec un gloss rosé, ou sur les ongles aussi, des tons légèrement teintés de violet. Autre tendance, je suis certaine que vous n'avez pas pu la louper, le rose. Le rose dans tous ses états, le rose le plus saturé jusqu'à un rose le plus doux, voire poudré, adouci. Je vous montrerai donc une version d'un maquillage sur les yeux avec un rose sage, puis un rose beaucoup plus saturé, plus intense. Le vert, un vert très saturé, très intense, qui peut conduire jusqu'à un jaune, donc bien évidemment à jouer en hit accessoire de l'été sur les ongles, le jaune ou le vert. Et puis je vous montrerai tout à l'heure un maquillage sur les yeux, pareil, un vert sage qui deviendra beaucoup plus intense.